Ο όρος διαστημική τεχνολογία συνδέεται με την έννοια της εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, εντελώς απόμακρη από εμάς τους κοινούς θνητούς. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όχι για τις τεχνικές που χρησιμοποιούν στο επικοινωνιακό κομμάτι. Διότι ο ρόλος που καλύτερα παίξει ένας DPS δορυφόρος είναι αυτός του αναμεταδότη, όπου λαμβάνει ένα σήμα σε μια συχνότητα και το αναμεταδίδει αυτούσιο σε μια άλλη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με το υπάρχον πολυεθνικό περιεχόμενο από την ευρεία γεωγραφική κάλυψη, δίνουν τη δυνατότητα στον ΕΛΑΣ-2 να αποτελεί την καλύτερη λύση για τους παρόχους DPH για αναμετάδοση τηλεοπτικών καναλιών σε κατάλληλες αγορές και στοχευμένες εθνικές ομάδες. La Terre, elle est belle quand on la regarde depuis l'espace. On a l'impression de voir des tableaux de peintres. Alors ça, ce n'est pas du Photoshop. C'est réellement comme la Terre, elle est. Hein, je suis en Iran, c'est des montagnes un peu torturées. Ou bien alors, la Terre, quand on la regarde en haut, on voit du sable. Des vagues de sable qui sont juste interrompues par une petite rivière, une rivière bleue, et qui donne naissance à la vie, le vert que l'on voit ici. Voilà, mon métier, à moi, Spot Infotera, c'est de recevoir les images qui arrivent des satellites. Alors, nous en avons encore, mais nous utilisons celui des autres sociétés. De recevoir des images aussi aériennes que des images que l'on transforme et de les faire parler. Parce que les images, on est capable de les faire parler, et je vais vous expliquer comment. Les faire parler pour répondre à la question que se posent nos clients, qui sont les industries, les États, mais aussi les citoyens. Εάν νομίζετε ότι ξεκινάει στη Γη και τελειώνει στη Γη, είναι μάλλον λάθος. Είναι μία συνέπεια, απόρρια και έκφανση ενός πολύ πολύ γενικότερου φαινομένου που λέγεται ο διαστημικός καιρός. Μία έκρηξη αρχίζει και κινείται προς τη Γη μας. Εδώ βλέπετε την αντίδραση της Γης. Έτσι, θα φτάσει κάποια στιγμή στη Γη. Στην πρόγνωση του διαστημικού καιρού, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια αναλογία, είναι σαν να βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε παρατηρούσαμε τον καιρό, προσπαθούσαμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούσαμε. Περίπου σε 100 χρόνια από τώρα μπορεί να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον διαστημικό καιρό. Είναι dans un monde où on voudrait nous expliquer que d'un côté il y a l'art, l'émotion, puis de l'autre côté il y a les sciences, avec des gens extrêmement tristes. C'est pas vrai, moi c'est pas ce que j'ai vécu. J'ai fait l'école polytechnique plus jeune, j'ai décidé de vivre une vie d'aventure, mais il n'y a pas d'aventure sans science, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'ai eu un privilège dans ma vie énorme, qui a été d'être sélectionné comme astronaute et de voler sur une navette spatiale, Endeavour, qui fera bientôt son dernier vol. Donc c'est à la fois un pic de, on va dire, de technique et en même temps la fin d'une époque, puisque la navette spatiale va vivre ses dernières heures. Et je vais vous prendre par la main et on va aller ensemble dans l'espace. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette vue de la Terre ? Des évidences. Encore une fois, il y a une différence entre une évidence que j'ai apprise et une évidence que j'ai comprise. On vit au quotidien comme si la Terre était infinie. On pollue la Terre comme si on pouvait la polluer à l'infini. On vit comme si la Terre était plate. En fait, la Terre est ronde, mais on a beau le savoir, on ne l'imagine pas. Quand on voit la Terre dans sa globalité, ronde comme un œuf, on la voit comme une planète. Et vous me demandiez si j'étais rentré avec le sentiment d'être un extraterrestre. Je suis revenu sur Terre avec ce mot qui m'écorchait la bouche, qu'il est bon de revenir sur la Terre. Et on voit la Terre comme une planète. La navette est devenue une espèce de bombe à retardement. Quelques techniciens viennent avec nous pour nous installer à bord de l'engin. En même temps, tout le monde quitte le site de décollage. Il y a une véritable fièvre qu'on appelle la fièvre du lancement à Houston, parce que des milliers d'ingénieurs, des milliers de personnes, sans avoir le privilège de voler dans l'espace, eh bien, participent par leur travail à un petit coucou à ma femme Cécile et à mes filles Marie et Juliette. Et donc tous ces gens vivent la passion. Et c'est l'intérêt de ces métiers de l'aéronautique, ces métiers du spatial, c'est que c'est une passion que les gens partagent et qui les unit dans le travail et ça crée des choses au niveau humain absolument extraordinaires. Et Socrate disait, il faudrait être capable de voyager au-delà de la sphère céleste. Et je crois que c'est très vrai. Moi j'avais cette ambition, quand j'avais votre âge, je rêvais d'être astronaute. Et je voulais voir les choses d'en haut, pour mieux comprendre. J'ai un peu compris, mais quand je suis revenu sur Terre, la vie m'a vite ramené à la réalité de la vie de tous les jours. Le travail, les ennuis, la santé, la famille, des choses très concrètes. Et parfois, on perd aussi ce qu'on peut être amené à gagner d'un tel voyage. Merci.